maintenant un second tutoriel, toujours donc sur la thématique des contrats de maintenance sur EBP bâtiment version pro. Alors, bien sûr, ce tutoriel est valable pour les versions bâtiment pro V9 à V16. Donc, nous avons vu un premier tutoriel sur la facturation des contrats de maintenance, donc de contrats de maintenance, on va dire, simple. Nous allons voir maintenant des contrats de maintenance, mais qui est aussi suivi d'une intervention. Et nous terminerons donc par un tutoriel où on ne verra essentiellement que les interventions qui ne sont pas donc liées à un contrat de maintenance, mais par rapport à votre activité, eh bien vous êtes sollicité pour faire, mettons, de la maintenance, des réparations, des interventions. On va voir eh bien après comment effectivement eh bien facturer des interventions à la demande. Donc ici, le tutoriel que nous allons voir, donc c'est comment donc créer un contrat de maintenance avec une intervention. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on va aussi créer un technicien et en mettant une camionnette. Comme ça, en fait, dès que vous allez facturer un contrat de maintenance où il y a une intervention effectuée, vous allez voir que ça va se mettre à jour directement dans le planning, et eh bien tous les jours ou une fois par semaine, vous pourrez avoir un planning avec les techniciens et également tout le matériel qui est affecté à ce technicien pour savoir un petit peu eh bien qui utilise quoi. Donc là, en fait, ce qu'il faut faire dans un premier temps, dans le menu données, il faut créer donc dans salarié personnel. Donc ici, eh bien en fait, on crée des techniciens par exemple. Donc là, en fait, lorsqu'on fait ajouter, alors on peut aussi rajouter un taux horaire.